Something. Yeah, something. Quand j'arrive, je dis oui, papa, voilà dans ton voilà dans ton voilà. Alors, après la caméra. Voilà, j'ai causé avec la dame. Je lui ai demandé combien ça lui coûte un sac de maïs. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit qu'elle n'a jamais eu la chance d'acheter un sac de maïs plein.
Donc elle achète souvent. En fait, en détail. Je lui ai demandé les détails, ça revient à combien? Elle m'a dit 12 000. Alors je vais lui faire une surprise. Parce que vous voyez, trouver une femme comme ça qui, au lieu de se prostituer, s'assoit au bord de la route pour vendre un maïs 100 francs. Un maïs 100 francs, la prune. C'est 50 ou 100 francs, je ne me souviens plus. C'est une preuve de dignité. Et des femmes comme ça, il faut les respecter. Vous voyez comment une femme peut décider prendre au bord de la route ses 50, 100 francs, 50, 100 francs pour ne pas être dépendante d'un homme ou bien ne pas se retrouver à mener une mauvaise vie. Donc là maintenant, elle ne sait pas, je vais lui faire une surprise. Je vais lui donner un capital. Parfois, vous aidez des gens qui ne méritent pas d'être aidés. Mais il y a des gens qui méritent et qui ont vraiment besoin qu'on les aide. Donc, je vais lui donner un capital de 100 000 francs pour qu'elle relance ses affaires avec. Elle ne sait pas ça. Il y a mon agent chez elle, 1 000 francs. Je lui ai dit que je reviens prendre les 1 000 francs. Là, je venais chercher l'argent dans la voiture. On va aller. Je ne peux pas cogner.
on la caméra. Ok, donne, donne, c'est bon. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Nous le bénissons. Mais la clim, pardon, doigt là, c'est dangereux. Mais la clim. Excusez un instant, s'il vous plaît. Voilà, par la grâce du Seigneur, chaque week-end, chaque jour, je dois faire des surprises comme ça à certaines personnes. Vous voyez cette femme? Regardez cette femme. Je veux parler à toutes les femmes ce matin. Excusez-moi. Le maïs n'a pas d'amis. Cette femme, je veux parler. Où sont les femmes? S'il vous plaît, taguez les femmes. Invitez les femmes ici. On va parler avec elles. Regardez cette femme assise là-bas, au bord de la route. Là, voilà, là-bas. La voyez, là-bas de l'autre côté de la route, là, là voilà. Regardez son âge. Je veux parler à toutes les femmes, je veux parler aussi aux hommes. Cette femme s'assoit au bord de la route. Elle vend le maïs. Un maïs 100 francs. Un maïs 100 francs. La prune 50 francs. Voici encore ça ici que j'ai. Ça c'est son maïs que je mange. Je vais encore bien manger ça tout à l'heure. Vous vous imaginez ce que les femmes sont prêtes à faire dehors pour avoir l'argent? Combien les femmes sont prêtes à se salir les mains pour avoir l'argent? D'autres se prostituent. La femme là, elle est traumatisée. Elle est complètement traumatisée. Donc, elle ne savait même pas quoi me dire. Elle ne s'attendait pas à cela. Cette femme là, elle s'assoit au bord de la route. Elle vend un maïs 100 francs. La prune 50. Un maïs 100 francs. En longueur de la journée, à la fin de la journée, elle aura vendu combien? Ça devrait être un enseignement pour chacun d'entre nous. Chacun de nous devrait réfléchir. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont prêtes à tout faire, à faire des choses qui sont ignobles pour avoir l'argent. Mais cette femme-ci, elle a dit quoi? Elle a dit non, moi, au lieu d'aller me prostituer ou bien d'aller m'engager dans des sectes pernicieux ou dans la vie facile, moi, j'ai choisi m'asseoir là, préserver ma dignité de femme. Et c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, il y a beaucoup de femmes comme vous qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites là. Elles vont dire, non, ça se met salir, ça se met rabaisser. Ah non, ça, tu m'as vu, tu m'as bien regardé. Mais cette femme, malgré sa beauté, malgré sa dignité, est venue s'asseoir. Elle vend son maïs. Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être aidée? Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être bénie? C'est cela que j'ai pris la résolution devant le Seigneur. Il y a des gens que vous aidez qui ne méritent même pas votre aide, qui méprisent votre aide. Vous leur donnez 100 000, pour eux, c'est comme si vous ne leur avez rien donné. Elle dit qu'elle n'a jamais acheté un sac de maïs. Elle n'a jamais acheté un sac de maïs. Elle achète en détail. Je lui ai demandé le détail, vous achetez combien? Elle dit 12 000. Elle n'a jamais acheté un sac. Est-ce que cette femme ne mérite pas? Voilà le genre de personnes que nous devons aider. Voilà le genre de personne. Lorsqu'une personne s'aide elle-même, cette personne-là connaît la valeur de la vie. Cette femme, elle connaît la valeur de 100 000 francs. Il y a des gens à qui j'ai donné 1 million. La personne me dit, baisse la clim, mon ami, c'est comment? C'est vrai qu'on a le doigt là, ça m'étouffe même déjà. La personne te dit le lendemain que vraiment les 1 million que tu m'as donné là, ça ne me suffit pas. Voilà le genre de personne que j'ai décidé d'aider prochainement. Je ferai toujours des vidéos comme celle-là. On va faire des surprises. Tant que le Seigneur m'accordera le temps, on va sortir des gens comme ça de la rue ou les encourager, leur donner le capital, un bon capital pour qu'ils relancent bien leurs affaires. On en a besoin, mes amis. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide ici dehors. Des gens à qui? Parce qu'il faut que les gens comprennent une chose. Ce n'est pas tout le bien que tu fais que Dieu va te bénir. Non. Ce n'est pas tout ce que tu donnes que tu recevras. Il y a des personnes à qui tu donnes, mais Dieu ne te bénit pas parce que c'est des terrains maudits. C'est des terrains infertiles. C'est des terrains stériles. Et nous devons comprendre cela. Avant d'enlever une offrande pour semer dans la vie de quelqu'un, Jésus a dit ceci. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui seront surprises au jour du jugement. Qui vont dire, ah non Seigneur, j'ai passé ma vie à faire le bien. Jésus leur dira, tu n'as rien reçu.
Parce que tu as fait le bien aux mauvaises personnes. Tu as fait le bien à des personnes qui étaient des terres stériles, des terres maudites. Il y a des gens, tu peux prendre tout ce que tu as, tu leur donnes. Dieu ne te bénit pas. Tu n'as rien devant le Seigneur. Dieu ne te donne rien. Dieu ne te donne rien. Donc avant de faire le bien, on ne fait pas le bien par la chair. Tu dois faire le bien poussé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans ce principe, va nous enseigner quelque chose. Il dit que si vous faites le bien à ceux qui ont déjà ou qui peuvent vous rembourser au jour de votre détresse, quelle récompense méritez-vous? Que vous n'aurez aucune récompense. Et c'est ça le problème. Si tu fais le bien à une personne, parce que tu sais que la personne sera capable de te rembourser ça, c'est la cotisation, ce n'est pas le bien que tu fais à la personne. Ça, c'est au moins une preuve biblique qu'on peut faire le bien à une personne et ne rien avoir de retour comme bénédiction. Et l'autre chose, c'est vous vous souvenez de la parabole des talents. La Bible explique que le maître a donné des talents à trois serviteurs. Il a donné à l'un trois, il a donné à l'autre cinq, l'autre trois, l'autre un talent. Et celui qui avait un talent là, il allait enterrer ça. L'ingratitude, le mépris du bienfait, du service rendu. Et quand le maître est revenu pour récolter son acte de justice, il a trouvé que l'autre qui était ingrat n'a rien produit. Il y a des personnes ingrates, des personnes qui crachent dessus votre sacrifice. Ce genre de personnes ne méritent pas que tu leur donnes quoi que ce soit. Ou bien tu vois une personne qui a les possibilités de travailler, mais qui refuse de travailler sciemment, qui veut vivre la mendicité, pourtant la personne n'est pas invalide. Une telle personne-là, comment est-ce que Dieu va te bénir? Dieu ne te bénira pas parce que ce sont des gouffres de bénédiction, c'est-à-dire des gouffres qui phagocytent la bénédiction. Hein? C'est-à-dire qui dévore ta bénédiction par phagocytose ou par pinocytose. Je ne sais pas, c'est eux seuls qui savent. Donc, c'est pour dire quoi? Nous devons faire attention, mes amis. Voilà les gens qui méritent d'être aidés. Ce que je viens de faire dans la vie de cette femme, c'est une bénédiction pour moi et pour ma famille. Parce qu'elle ne peut pas me rembourser ce que je lui ai donné. Et c'est ce que nous devrions faire en tant qu'enfants de Dieu. Je voudrais dire merci comme ça aux femmes vertueuses. Je veux dire merci aux femmes vertueuses de Douala. Et je veux dire bravo, bravo, bravo. Le geste que vous avez fait pour moi, on ne m'a jamais fait cela. Et c'est dans votre argent que j'ai enlevé 100 000 francs pour aller donner à cette femme. Et nous allons profiter, nous tous, de la bénédiction que Dieu accordera à cette femme. Les ressources nous reviendront et toutes les mères vertueuses seront aussi bénies. Les mères vertueuses, depuis que je fais le ministère, moi, je n'ai jamais vu des gens s'associer. C'est-à-dire des femmes s'associer, des mamans s'associer dans ce ministère pour me faire une enveloppe de 600 000 francs, comme vous l'avez fait. J'ai été époustouflé, j'ai été époumonné, j'ai été bluffé. J'ai été étourdi, ahuri, lorsque j'ai ouvert l'enveloppe que les mamans vertueuses m'ont offerte hier, quand je suis arrivé ici à l'église à Douala. J'ai trouvé 600 000 francs dans l'enveloppe. Vraiment, j'étais dépassé complètement. Le geste m'a bouleversé, le geste m'a étourdi, le geste m'a hurluberlué, le geste m'a luluberlué. J'étais complètement désaxé à cause de ce geste. Les mains vertueuses de Douala, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai dit à Dieu que moi, on ne me donne pas sans que je ne donne. J'ai dit, Seigneur, je veux aussi faire cette bénédiction, cette semence dans la vie de cette pauvre femme. Donc, les mamans vertueuses de Douala, vous êtes extraordinaires. L'église de Douala est spéciale. C'est pour ça que je suis là pour 3 jours. Jusqu'à mercredi, tous les soirs à partir de 17h, Dieu va nous bénir. Tu veux passer une belle année 2023, ne manque pour aucune raison à ce grand programme. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Mais les mères vertueuses, ce que vous avez fait là, ce que vous m'avez fait là, je dis ce que vous m'avez fait là, mon Dieu multipliera sa foi 1000 et il vous bénira. Recevez chacune de vous. Pour votre progéniture de génération en génération, la grâce, la faveur, la bénédiction, vous ne manquerez de rien. Combien de chrétiens savent aujourd'hui que leurs pasteurs peuvent aussi être bénis, qui peuvent aussi bénir leurs pasteurs? Les chrétiens sont chiches plus que la chicheté elle-même. Avares plus que l'avarice elle-même. Combien de femmes, même Yaoundé n'a jamais fait ça. Je me souviens la dernière fois que Yaoundé m'a offert un cadeau, et c'était... Non, ce n'est pas la dernière fois. Une fois, on m'a offert le cadeau. J'étais très content.
Quand j'ouvre le cadeau, je trouve que c'est le genre de sac coloniaux là. Ouais, les mallettes coloniales que les colons utilisaient pour mater nos parents et les envoyer à l'esclavage. Et il y avait quelqu'un à côté de moi. Je pense que c'est le prophète Marseille qui était avec moi. Il a vu ça. J'ai seulement vu qu'il a regardé. Je lui ai dit, tu veux ça? Tu veux? Il m'a dit, oui, grand frère. J'ai dit, que tu veux? Il dit, grand frère, oui, je veux. Tu es sûr? Il dit, oui. J'ai dit, pas avec. Je n'ai même pas daigné ouvrir la mallette. Ouais. Donc, vraiment, il y a quand même ce qu'on appelle un sacrifice de qualité. Ça aussi, c'est important. Beaucoup de chrétiens négligent leurs hommes de Dieu. Ils ne se soucient pas de leur pasteur ni de leur père. Ils ne se soucient pas. Mais c'est ce que les femmes vertueuses ont fait là, les mères vertueuses. L'église mère, c'est Yaoundé. Mais vraiment, Douala est en train de poser des actions qui seront, où Dieu sera obligé de vous bénir de manière spéciale aussi. Le genre de bénédiction que tu as dépend du genre de sacrifice que tu fais. Ce que Douala m'a fait là, vous m'avez eu. Mais je vais vous bénir, les mères vertueuses. Le soir, s'il ne manquait pas, les 3 jours de délivrance de consultation prophétique, si tu vas avoir une consultation prophétique dans ta vie, tu veux savoir comment l'année 2023 sera. Ne manque pas ce programme. Donc, bon, derrière l'immeuble, quand même, la partie ce soir. Mais les mères vertueuses, vous m'avez eu, je vais vous avoir ce soir. Ne manquez pas. Aucune mère vertueuse ne doit manquer ce soir. Parce que je dois vous présenter au monde entier. Et je dois vous bénir. Bénir vos enfants, bénir vos familles. Posez un acte prophétique qui sera une alliance éternelle et perpétuelle entre vous et moi et entre mon Dieu et vous. Dieu doit vous bénir, Dieu doit vous surprendre. Dans tous les cas, vous êtes même déjà bénis. Vous êtes bénis à satiété, vous êtes bénis à l'extravagance. Vous êtes bénis des bénédictions abracadabrantesques dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Ne manquez pas ce soir. Si tu es dans la ville de Douala, tu manques au programme de ce soir. Vraiment, c'est que je ne sais pas, toi-même, tu es ton premier ennemi. Tu es ton premier plus grand ennemi. S'il y a quelque part où tu dois être pendant ces 3 jours, lundi, mardi, mercredi, c'est Douala. Donc bon, derrière l'immeuble Kamley. 3 jours de consultation prophétique, de restitution. C'est le 9e, le 11e mois, le mois de la restitution. Tout ce que Satan t'a volé, tu récupères cela. Tout ce que l'ennemi t'a volé, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie noire, que ce soit le maraboutage, que ce soit le diable lui-même, dans tous les cas, tu ne vas pas entrer en 2023 avec... étant volé, étant dénué, étant dénudé, c'est pas possible. Donc si tu crois au Dieu des opportunités, tu crois au Dieu de la faveur, au Dieu de la grandeur, au Dieu des miracles, et tu crois que cette année tu es en train de mal la finir, le peu de temps qui reste, tu peux toujours te rattraper. Que la main de Dieu soit puissante sur ta vie, au nom souverain de Jésus. Il y a une surprise pour toi, donc ne manque pas ce programme. Je voudrais dire à toutes les délégations, nous avons la plus forte délégation depuis que nous faisons le ministère. La plus forte délégation étrangère. J'ai donné déjà le numéro du frère Désiré et je dis encore à tous ceux de la diaspora qui veulent passer le pèlerinage avec nous. Peut-être même ceux qui sont au Cameroun risquent de ne pas avoir les badges cette année. Parce que les badges sont discutés, disputés même. On a une forte délégation qui vient presque de tous les pays du monde cette année pour le pèlerinage. Ça signifie quoi? Quel en est le sens? Les gens ont compris ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quiconque associe Dieu à ses projets fera des exploits. Donc, si tu veux faire des exploits en 2023, je t'exhorte à ne manquer sous aucun prétexte. Je dis bien sous aucun prétexte au pèlerinage annuel qui aura lieu du 6 au 10 décembre. Nous quittons le 8, c'est-à-dire le 6 à 8 heures. Nous nous retrouvons au carrefour Kouaba. Car c'est sur cette montagne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur cette montagne que mon ministère a explosé. Je suis allé là-bas en retraite. Je suis allé en retraite pour 7 jours avec des hommes de Dieu. Et quand nous sommes arrivés là-bas pour la retraite, Dieu est grand. Le 3e jour, j'ai eu une vision où 7 anges m'ont entouré. Et 2 se sont approchés de moi. L'un m'a dit, voici je te donne, ainsi par l'Éternel, je te donne le manteau de Moïse. Le manteau de Moïse, c'était non, le bâton de Moïse. Et l'autre a dit, vas-y, je te donne le manteau d'Élie. Voilà comment, le matin, je prends mon sachet de descente. Les autres pasteurs avec qui nous étions me posent la question de savoir, mais on a dit 7 jours, toi tu descends pourquoi? Et je leur ai répondu, j'ai reçu ce que je suis venu chercher. Et après ça, toutes les années, j'allais là-bas sur la montagne pour clôturer l'année dans la présence de Dieu. Quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur m'a dit, il y a aussi mes brebis que je t'ai confiées, monte avec elles sur la montagne. Amène-les dans ma présence. Voilà comment j'ai ouvert le pèlerinage de fin d'année à l'église. Aujourd'hui, c'est un événement qui marque notre nation. Des centaines et des centaines de gens y vont chaque fin d'année.
Et aujourd'hui, les gens quittent de toutes les nations. On a des délégations des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de l'Afrique du Sud, du Congo, du Togo, de la Belgique, de beaucoup d'autres pays. Beaucoup, beaucoup de pays. Nous ne faisons qu'envoyer des invitations aux gens depuis que le mois s'est commencé. Et même depuis le mois dernier. Ils sont des dizaines et des dizaines de personnes qui seront là, venant de toutes les nations de la terre. Que Dieu vous bénisse. Je prie que votre voyage soit préservé, qu'il soit gardé. Cette année, Dieu vous bénira et nous descendrons de la montagne pour entrer en 2023 comme des vainqueurs et des conquérants. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Ce vendredi, j'ai la nuit des flammes. Vendredi 25. Dans toutes nos églises, on n'a jamais fait ça comme ça. Il y aura la nuit des flammes. Donc si tu es à Douala, tu es à Yaoundé, tu es n'importe où, Cameroun, voyage pour Yaoundé. Sois à Yaoundé. Vendredi le 25, viens pour la grande nuit des flammes, la nuit de la restauration, la nuit du Dieu de la seconde chance. Viens avec ton mouchoir ouin. Venez à toutes les réunions avec le mouchoir ouin. Cette nuit de flammes sera dangereuse. Viens avec le mouchoir ouin. J'ai fait des démonstrations d'esprit et de force. Pendant les 3 jours à Douala, viens avec ton mouchoir ouin. Et dimanche, le 27, ramenez le mouchoir ouin. Nous allons poser des actes prophétiques redoutables. À Douala, mercredi, je veux prier et déclarer la